ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis en train de prendre mon linge. Aujourd'hui, on est mardi. Mardi 26. Il est presque 10h là déjà. Mais je suis réveillée depuis un moment, hein. Je suis réveillée depuis 6h30. En fait, j'essaye de prendre le rythme, de me relever un peu plus tôt. Parce que j'avais pris un sale rythme là avec le confinement. Et j'allais coucher plus tard, je traînaillais. Et le matin, je faisais un peu la même chose. J'étais réveillée, mais je traînaillais au lit. Donc là, et puis en plus là, je veux refaire mon sport le matin. Parce que ça me convient mieux. Déjà, en plus, maintenant, il commence à faire chaud. Donc, le matin, c'est quand même plus agréable quand il fait un peu frais. J'ouvre les fenêtres dans lesquelles il y a mon tapis, en fait. Et du coup, c'est plus agréable. Puis, j'ai l'impression, oui, ça me convient mieux. Il y a moins d'imprévus qui fait que... Parce qu'il y a deux mois, le soir, dans le rush, eh ben, je le passe à la trappe. Alors que le matin, voilà, c'est ma priorité. C'est la première chose que je fais le matin. Et du coup, bah après, j'y pense plus et j'ai pas à me trouver un créneau horaire pour pouvoir le faire. En fait, enfin, ça me convient mieux. Là, c'est pareil pour le linge. J'ai changé ma routine. Vous avez déjà parlé de ma routine linge, en fait. Hein. Et je vous avais dit que j'avais deux routines. Une plus adaptée fin automne-hiver et une plus adaptée au fin de printemps. Et, en fait, l'hiver, je fais ma lessive... L'après-midi, je le pends, enfin je lave mon linge l'après-midi, je le pends le soir, enfin après quand elle est finie, quoi, en fait, je le pends le soir et mon linge reste dans la maison, en fait. Donc comme c'est la nuit, ben, je le vois pas, il pend et puis je le dépends le matin, etc. Par contre l'été, ben, je fais l'inverse pour profiter de l'extérieur justement, pour pouvoir le faire sécher à l'extérieur. Je le fais la nuit, enfin Greg lance, je prépare ma bâtée le soir et Greg la lance... le matin, à 4h du matin. Je pourrais programmer ma lessive, hein, mais bon, il est là, donc il appuie juste sur le bouton. Il la lance. Comme ça, ben, moi, le matin, c'est la première chose que je fais. Je prends le linge et je le mets dehors. Et comme ça, le soir, ben, il est sec. Je dépends, je fais le petit repassage qu'il y a à faire et on n'en parle plus. Hop. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller le mettre dehors. Et ensuite, ben, je vais attaquer ma journée. Alors, quoi de prévu aujourd'hui ? Au niveau du repas ce midi, je vais faire des cups cordon bleu salade. Vous allez voir pourquoi j'ai appelé ça des cups. C'est avec une croûte de pain, je vous montrerai. Et ce soir, c'est une chachouka aux courgettes avec du pain de semoule. Avec un pain de semoule. Alors ce pain, c'est un pain marocain. Il y a un nom, hein, mais j'arrive pas à le dire. C'est un nom bizarre. En fait, je ne sais pas si... Alors, il s'écrit K-H-O-B-O-B-Z. Donc je sais pas comment on prononce ça. Cobs d'art. Avec après c'est écrit D-A-R. Ouais. Bref, donc du coup on va faire ça. Et je pense que je vais faire juste le pain avec la chachouka. Je vais pas faire de semoule. Comme c'est un truc, enfin la chachouka il y a pas mal de sauce. On trempera le pain dans la sauce. Et je ferai avec une petite salade pour celui qui veut. Ça veut dire que moi. Voilà. Allez. Je vais finir ça. Après, au niveau du ménage, il me reste au niveau des routines, l'aspirateur et puis la salle de bain à faire. J'attends que mes loulous passent à la salle de bain. Et puis, au niveau de du blessing, c'est les escaliers et le coin des animaux. Et au niveau de la zone, aujourd'hui, donc la zone cette semaine, c'est la cuisine. Et je voudrais faire mes plans de travail à fond et l'extérieur de mes électroménagers. Voilà le programme du jour. Allez. On y va.
On met ça dehors. Moi, j'ai plus que 2-3 trucs à pendre. Et on attaque cette journée. J'ai oublié de vous dire, ce matin, si vous vous demandez le petit déjeuner, c'était des pancakes au flocon d'avoine. Donc, c'est une recette qui est sur le mur Trello. Si ça vous intéresse, c'est juste des flocons d'avoine mixés avec un yaourt. Alors, il y a un yaourt, de la compote de pommes, des flocons d'avoine, un peu de levure, un peu de sucre si vous voulez, et de l'arôme vanille. Voilà. Ça, c'est Greg hier. Quand il est revenu des courses, en fait, il a fait tomber la bouteille de Javel. Quand il a commencé à désinfecter, il a marché dedans. Là, sa chaussette, elle est morte, là. Hein. Je peux la mettre à la poubelle. Alors, en plus des deux côtés, Javel, ça ne pardonne pas. Hein. Allez, je finis ça. Hop. Puis, comme je vous ai dit, j'attaque ma journée. J'ai l'impression que tu vas faire lourd aujourd'hui. Allez, on va passer l'aspiro. J'ai pas de courage aujourd'hui, je pense que c'est la chaleur, le soleil ou je sais pas quoi. Mais là j'ai l'impression d'être limite étouffée. Enfin voilà, c'est un peu étouffant. Ce matin j'ai ressorti une petite robe que je mettais l'été dernier. C'est une petite robe que... c'est Grain de Malice. Voilà, je l'avais achetée, mais bon je l'ai achetée... pas l'été dernier, mais il y a 2 ans je pense. Elle est très jolie en fait, elle est blanche avec un petit liseré de dentelle ici. Un petit col avec... hop, toute légère. Alors on voit un petit peu à travers, hein, le fait qu'elle est légère comme ça, souvent après avec du blanc. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur le bas, elle est doublée. Donc on voit un petit peu sur le haut, on voit un petit peu soutien-gorge, mais au niveau du bas, on voit rien, parce que justement, elle est doublée. Mais tout en étant toute légère, donc elle est agréable à porter. Là, je pense que je vais commencer à aller rechercher mes affaires d'été. Et je vais mettre, vous voyez, tout ce qui est gros pull et tout. J'achète des gros bacs... c'est des bacs qu'on met sous vide, là, que j'avais acheté à Action, je pense que je vous les avais fait montrer. Eh ben, ils vont bien, ils ont tenu tout l'hiver mes trucs de... Mais vous voyez, enfin, tout ce qui est petits pyjamas d'été, les petites robes, les petits débardeurs, les t-shirts qu'on risque pas de mettre l'été, enfin l'hiver. Eh ben, je mets tout dedans, ça fait un bac rigide avec un sac à l'intérieur plastique. On fait le vide, donc ça fait un carré quoi, en fait, qu'on peut superposer et tout. Ça prend pas de place dans la garde-robe, mais ça fait un peu plus de place justement pour mettre les affaires d'hiver. Donc là, je vais en retirer tout ce qui est les pulls, les trucs comme ça, et ressortir mes petites robes. Voilà. Allez. Oh. On va passer l'aspiro. Vous voyez cette tête de motivée là? Hein? I'm scared if I raise my hand, they call me less. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 = 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's tender to me. Gonna love you till infinity. Now, it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying. Times a thousand, we keep on counting. Ain't nobody seen, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 = 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this gentleman, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Ah, je suis bien productive encore une fois ce matin. Donc j'ai fait tout ce que je voulais faire. Le coin des animaux, les escaliers, le plan de travail, les électroménagers, enfin, l'extérieur des électroménagers. Donc tout est fait.
cool. Là, je suis en train de préparer le repas de ce midi. Donc du coup, ce que j'ai fait, alors vous pouvez le faire avec du restant de poulet, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Là, moi, comme j'en ai pas, moi, je me suis fait juste cuire deux escalopes que je vais couper. Enfin, c'est pas des escalopes, c'est des filets de poulet. Chaque fois je dis ça et Greg on me dit mais l'escalope c'est fin, si tu me dis escalope moi je t'achète des escalopes. Donc du coup je les ai fait cuire, je vais les couper ensuite en morceaux, j'attends qu'ils refroidissent. Et là je suis en train de faire, de tapisser mes moules à cupcake. Donc c'est des cups façon cordon bleu qu'on mange ce midi. Donc hop, alors je vous avais déjà partagé une recette où on utilisait comme ça le pain aussi en guise de croûte entre guillemets. C'était en fait on mettait un appareil à quiche à l'intérieur. Au lieu de mettre une pâte en fait on mettait la tartine de pain. Donc on prend du pain de mie. Donc moi j'ai choisi sans croûte. Greg a pris du complet, ce qui est très bien. Il garde des bonnes habitudes hein, sans que je lui dise. Et on vient le rouler, l'aplatir. D'un côté, hop, et de l'autre. On n'hésite pas, on cherche. Voilà, et ensuite, hop, je vais essayer de vous rapprocher. On vient tapisser. Alors, pour pouvoir tapisser, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pli. Vous allez plus voir au-dessus. On fait un pli et... Alors, comment est-ce que je pourrais vous montrer? Est-ce que là, j'essaie de trouver la bonne place, ici. Vous voyez? Oui, là, vous voyez. Donc, en fait, on fait un pli comme ça. Et on vient appuyer et en fait ça se soude. Voilà. On fait ça avec tous. Donc on roule bien. Et ensuite on va farcir du coup nos cups avec poulet, une sauce au fromage, des petits laits de lardon, de bacon et du fromage. Voilà. Donc je vous remontre le geste. Alors on vient, hop, ici là, vous n'allez pas bien voir, vous allez mieux voir au-dessus. On vient plier. Voilà. Et on appuie. Voilà. Ouais, je fais tout et puis ensuite on garnit. Ouh, un gros plan sur ma tête. Donc là maintenant, je vais préparer la petite sauce fromage. Donc du coup, j'ai juste mis du lait, de la maïzena et du sel, du poivre. Je vais faire épaissir ça. Une fois que ça sera épaissi, je vais ajouter la moitié du fromage dedans. Donc il y a 200 ml de lait, 15 g de maïzena, sel, poivre. Et ensuite, on rajoutera, donc pour la recette, il faut compter à peu près 100 g de 70 g. De fromage, bon après vous pouvez en mettre plus hein, si vous souhaitez hein. C'est juste si vous aimez ça avec beaucoup de fromage vous pouvez en mettre beaucoup plus. Donc on met la moitié du fromage dans la sauce et l'autre moitié qu'on mettra au dessus du quand on va assembler les cups. Donc on fait épaissir et ensuite on ajoute le fromage et on mélange jusqu'à ce qu'il soit fondu. Une fois que la sauce a épaissi, on n'en reste plus qu'à garnir en fait nos cups. Donc du coup, j'ai coupé mes escalopes de poulet en tout petits dés et je viens garnir le fond de chaque cup avec. Voilà, on ajoute ensuite... Alors le poulet, si vous voulez, vous pouvez le remplacer par du poulet déjà cuit. Vous voyez qu'on achète, j'ai acheté ça pour les sandwichs des enfants, des lanières de poulet ou peut-être même du râpé aussi. Je pense qu'on peut en trouver aussi. Donc ensuite, on ajoute des lardons. Alors des lardons de fumée, de bacon ou de normal ou enfin voilà. En Belgique, on trouve aussi, c'est des lardons, enfin des petits dés de jambon cru. Et souvent, quand je fais cette recette, même quand je fais ma cassolette de façon cordon bleu, c'est avec ça que je fais. Mais là, en France, on n'en trouve pas. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, il nous reste à mettre notre sauce et un peu de fromage sur le dessus. Et à passer au four. Et le repas est fini. Et accompagné d'une petite salade. Voilà. Ça fera très bien l'affaire. Hop. On met une belle cuillère de sauce sur chaque cup. Et on finit par les mentales. Une fois qu'on a fini d'assembler, on les enfourne 180, à peu près 25 minutes à surveiller. Une fois qu'ils sont gratinés, qu'il faut faire attention, c'est aux petites croûtes de pain là, qui ne deviennent pas trop noires. Voilà. Voilà, c'est au four. Je vais nettoyer un petit peu la cuisine, faire la petite vaisselle que je ne mets pas au lave-vaisselle. Puis il n'y aura plus qu'à manger.
Ma résolution aussi, en plus du sport, enfin logiquement les résolutions c'est en début d'année, mais moi j'en fais tout le temps quoi, en fait. En fait, dès que je me remets en question, voilà, je prends des résolutions. Donc là, on va dire que c'est les résolutions du déconfinement. Voilà, on va dire ça. Donc ma résolution aussi, c'est de boire un peu plus d'eau. Parce que je ne bois jamais. Mais quand je dis jamais, c'est je ne bois jamais d'eau. En fait, si j'ai envie de boire quelque chose, je bois un café. Et je me suis rendu compte que du coup, ma consommation de café augmentait. Mais ma consommation d'eau, elle diminuait drôlement. Et quand je vous dis, franchement, c'était... J'ai remarqué que je buvais jamais d'eau. Jamais un verre d'eau. Donc du coup, je me baladais avec ma gourde de partout. Je la remplis le matin. Donc là, c'est une gourde de 500 ml. Je la remplis le matin avant d'aller faire mon sport. Donc je commence à boire quand je fais mon sport. Parce que même ça, même quand je faisais mon sport, je buvais pas quoi en fait. Mais je sais que c'est pas bon. Le pire, c'est que ça quoi en fait. Il faut qu'on boive. Et donc du coup voilà, je bois ma gourde et souvent je la re-remplis. Là je suis à ma deuxième, donc ça va faire 1 litre, il est midi et demi. Donc alors je sais qu'avec le café, les légumes et tout que je mange et tout, je dois être facilement aux 2 litres. Hein, mais là j'ai vu la différence cette nuit. J'ai pas arrêté de me lever pour aller faire pipi alors que j'avais bu 3 gourdes, donc 1 litre et demi. Donc après, en plus des cafés et tout, j'étais sûrement à mes 2 litres d'eau, hein. Mais voilà, j'ai pas arrêté de me lever pour faire pipi. Après je me dis, j'évacue les toxines, hein. Donc c'est bien, mais il faut vraiment que j'essaye de boire un peu plus en fait. Ah, téléphone. C'était de la pub. En ce moment, on a le droit aux assurances, aux mutuelles. Mais bon. Allez, je vais faire ma petite vaisselle, comme les poêles et tout que je mets pas dedans. Et puis, bon après je pense que ça va être cuit. On va pouvoir manger. Je vais sortir la salade, carottes, petite tomate pour accompagner tout ça. On va passer à table, donc je vais vous montrer mon assiette. Comme je vous ai dit, j'ai fait ça avec des crudités. Donc... carottes râpées, de la laitue, des radis, choux rouges, quelques petites tomates. Et voilà ce que ça donne du coup les cups. Alors en plus ça se démoule super bien, ça se tient super bien. Greg est rentré, il a mangé, là il est en train de faire sa petite sieste. Et moi je vais faire un gâteau. Ça fait longtemps, hein. Il y a quelques temps je vous avais dit que j'avais envie de faire un napolitain. Donc c'est ce que je vais faire. Enfin je vais même pas faire un napolitain, je vais faire deux napolitains. En fait je vais en faire deux. Parce que pour le visuel du gâteau, au niveau du plat, si vous le faites dans un moule à cake, enfin c'est possible, hein, vous pouvez diviser la recette que je vais vous donner par deux et le faire dans un moule à cake. Mais comme c'est des couches successives de gâteau, donc on a une couche blanche, une couche au cacao, une couche à la vanille, et entre deux, il y a de la ganache. Et comme c'est, il faut vraiment que ça soit bien carré, donc pour éviter d'avoir trop de pertes dans mon gâteau quand je vais le découper, pour avoir vraiment la forme du napolitain, je vais le faire dans un moule un peu rectangulaire comme ça, et ensuite je le diviserai comme ça en deux, pour avoir vraiment un beau, enfin deux beaux rectangles en fait, voilà. Et puis je me dis ça va être mangé, je suis sûre. Alors, au niveau des ingrédients, on a besoin, donc pour le gâteau, enfin je vais partir sur une génoise, enfin style génoise, on a besoin d'œufs, beaucoup d'œufs. Alors comme je vous dis là, c'est pour deux gâteaux, donc là on va faire à peu près une trentaine de parts avec la recette, donc divisé. Après ça se congèle assez bien, donc vous pouvez le congeler aussi. Donc on a besoin de 8 œufs, du sucre, je vous laisse la recette en barre d'infos pour les quantités. Donc le sucre, du beurre. Alors il y a beaucoup de beurre hein, quand même. Il y a 350 g de beurre. Bon après comme je vous dis c'est pour deux gâteaux. Donc ça fait 175 g de beurre. Voilà. Ça va encore. Le sucre c'est pareil. Il y a 200 g de sucre. Mais ça fait 100 g par gâteau. Divisé par 15 parts. Ça fait pas non plus énorme. Après. Je reprends. On a besoin du coup d'œufs, de sucre, de beurre,
de farine, de levure chimique, de l'arôme vanille pour aromatiser la partie à la vanille et du cacao pour la partie au cacao. Et ensuite pour la ganache, on aura besoin d'une plaque de chocolat, d'un peu de crème pour mettre sur le dessus, vous voyez la petite couche blanche caractéristique du napolitain. On va avoir besoin de sucre glace et puis un peu de jus de citron. Et puis des petites vermicelles de chocolat. Donc moi je vais le faire au MCC, mais c'est tout à fait possible de le faire au robot normal. Hein. Vous mettez les œufs avec le sucre. Et puis vous fouettez jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça devienne mousseux. Au MCC, pour celles qui l'ont et qui veulent faire aussi le napolitain au MCC, je vais mettre 1 minute vitesse 4. Juste les œufs et le sucre hein, pour qu'ils blanchissent. Les œufs se mélangent avec le sucre. J'ai fait fondre du coup le beurre. Là j'ai mis du coup la levure et la farine. Et j'ajoute mon beurre fondu. Hop. Et on va remélanger ça 1 minute vitesse 4 comme tout à l'heure. Donc ensuite on ajoute 2 cuillères à café d'arôme vanille et on remélange un petit peu. Alors là la pâte va nous servir à faire nos 3 gâteaux, nos 3 couches de gâteaux. Donc les 2 couches à la vanille et la couche de cacao. Donc là je vais retirer une partie de la pâte, il faudra faire cuire les 3 couches séparément parce que j'ai pas 3 moules quoi en fait. Si vous avez 3 moules de même taille c'est peut-être avantageux, vous pouvez les faire cuire en même temps. Mais ils cuisent relativement vite, hein. Ils cuisent 15 minutes 180. Donc là j'avais mis mon four en préchauffage. Donc au bout de 15 minutes faites attention parce que ça va être fin. Donc regardez avec votre four. Et puis on cherche même pas une coloration et tout, hein. On cherche juste à ce que le gâteau soit cuit. Donc là je vais retirer à peu près 500 g de pâte pour faire cuire mon premier gâteau, ma base du gâteau quoi en fait. Et ensuite ben, je recommencerai au bout de 15 minutes, je démoule, je refais cuire, je reprélève 500 grammes, je refais cuire 15 minutes. Du coup j'aurai mes 2 gâteaux à la vanille et dans ce qui reste je vais rajouter du cacao pour avoir ma partie gâteau chocolat. Alors là je retire 500 grammes, hop à peu près. Hein. Alors j'ai retiré 500 grammes, je vais plus ou moins étaler la pâte. Donc je vous ai dit c'est fin. Bon ça va gonfler un petit peu parce qu'il y a de la levure dans la pâte. Mais voilà. J'étale plus ou moins. Et ça part du coup au four 180 degrés pour 15 minutes à peu près. Alors, j'ai sorti le premier gâteau. Je vais vous montrer. Je l'ai juste démoulé. C'est facile du coup avec le papier sécurisant. On l'attrape par les 4 coins. Donc là je vais le laisser refroidir. J'ai mis la deuxième. Donc j'ai repesé à peu près 500 grammes. De pâte 450 à peu près et là j'ai rajouté mon cacao dans mon restant de pâte pour faire la partie au cacao. Donc je vais remélanger et puis ben, les gâteaux seront faits, on va pouvoir s'occuper de la ganache. Je me suis fait un latte vanille caramel. Hop, allez, on va y réveiller. Elle est partie mettre une deuxième couche à la terrasse, à l'étage. Je vais vous montrer. Ouais. On est en train de mettre en peinture du coup là. Il y a du vent en haut. Voilà ce que ça donne. Du coup, la couleur de la fenêtre. Je trouve ça beau. Je sais pas si vous m'entendiez bien en haut parce que il y a beaucoup de vent. Le soleil s'est complètement caché là. Il fait tout gris. Il fait bon, hein, mais il fait gris. Et il fait du vent. Je suis même passée par l'intérieur parce que j'avais peur qu'en descendant les escaliers on voit mes culottes. Un gros coup de vent et pouf. Bon, on va voir ce qui donne le gâteau. J'ai sorti ma partie vanille, j'ai mélangé du coup ma partie chocolat. La pâte est beaucoup plus dure avec le cacao, le fait qu'on rajoute de la farine. Il faudrait peut-être, limite, si vous voyez que votre pâte est vraiment trop dure, rajouter un petit peu de lait dedans pour la liquidifier un tout petit peu. Après on l'étale. Petit truc aussi pour étaler une pâte qui est dure à étaler, mouillez votre cuillère. Je vous l'avais déjà dit, je pense, avec le brookie qu'on a fait ce week-end. Allez, on enfourne ça du coup aussi pour 15 minutes. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la ganache. Alors, pour la ganache, c'est très simple. On prend une brique de crème, donc de 20 centilitres. On la verse dedans, de la crème liquide. Moi, c'est de la bleue, là, que j'ai utilisée. On la fait bien chauffer. Limite bouillir. Voilà, même bouillir. Et une fois qu'elle bout, on éteint le feu et on met la plaque de chocolat noir, donc 200 g de chocolat noir dedans. On laisse un petit peu poser et ensuite on mélange
jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu à l'intérieur de la crème. Le temps que les gâteaux refroidissent bien, je vais faire mon pain pour ce soir. Ce que j'ai fait aussi, c'est sur les gâteaux, j'ai coupé le dessus, voilà, un petit peu bombé, pour essayer d'avoir quelque chose de droit. Par contre, je viens de sortir le gâteau au chocolat, je vous conseille de rajouter un petit peu de lait, parce que là, moi, je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû. La pâte est trop épaisse avec le cacao, et si vous rajoutez pas de lait, vous n'allez pas bien savoir l'étaler, du coup, vous n'allez pas avoir quelque chose de régulier. Il faut vraiment quelque chose qui s'étale correctement. J'ai rectifié la fiche recette, donc voilà, je vous conseille de rajouter à peu près 3 cuillères à soupe de lait. La ganache, je vais vous la montrer. J'ai rajouté le chocolat une fois que la crème était bouillante. J'ai laissé un petit peu fondre. Et puis après, on mélange bien. Et voilà, on a notre ganache. Donc là, j'attends que les gâteaux refroidissent. Et ensuite, on continue le montage. En attendant, je vais laver le bol de mon robot et on va faire notre pâte à pain. Alors, pour le pain, on a besoin de semoule de blé dur, la semoule très très fine, enfin la farine de blé dur, la semoule très très fine, c'est la même que j'utilise pour ma pâte à pizza. Donc on en trouve dans les rayons du monde, des grandes surfaces, si vous vous demandez où est-ce qu'on peut la trouver. Souvent, ils vendent ça même en gros sac. Donc du coup, 350 g de farine, de semoule de blé dur ou de farine, je vais y arriver, de farine de blé dur ou de semoule extra extra fine. 150 g de farine normale, donc moi c'est de la T65. On va ajouter une cuillère à café, j'ai chaud là, pour le four a été, une cuillère à café de sucre, du sel, une cuillère à café aussi, hop, de la levure. Alors on fait attention à la levure, on la met pas en contact avec le sel. On va mettre 11 g, donc l'équivalent de 2 cuillères à café. Je fais attention, je la mets sur le côté. Alors si vous vous demandez comment ça se fait qu'on ne la met pas en contact avec le sucre ou le sel, c'est parce que ça tue la levure. Hop. Ensuite, on va ajouter l'huile d'olive. On va mettre 50 ml d'huile d'olive dedans. Ensuite, 250 ml d'eau de shed. Alors attention, shed pour pas tuer la levure. Et puis un œuf. Et on va pouvoir lancer le pétrissage. Voilà. Donc là, on obtient une pâte qui est quand même assez collante. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a la pâte, enfin la semoule va boire. Au fur et à mesure, elle va être moins collante après. Là, on ajoute 30 g de beurre et on remélange. Une fois que la pâte est finie de pétrir, on la verse dans un... Alors, on a une pâte qui colle, mais qui est quand même assez élastique. Mais comme je vous ai dit, elle va moins coller après. Donc là, on la verse dans un saladier, on la couvre et on la laisse lever à température ambiante. Elle doit doubler de volume, voire tripler. Au plus il fait chaud, comme en ce moment, on mettra moins de temps. S'il fait un peu plus frais... Voilà, un peu plus de temps, mais minimum une heure et demie. Pour le montage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couche de gâteau. Alors moi, je vais le laisser dans le plat, comme ça va maintenir le tout. Une couche de gâteau, une couche de ganache, donc la moitié de la ganache à peu près. Le gâteau au chocolat noir, une couche de ganache et on finit par une autre, la deuxième partie de gâteau à la vanille, en mettant la partie la plus plate sur le dessus. Donc là, du coup, je mets la moitié à peu près de la ganache, je viens étaler... Je mets mon gâteau au chocolat et l'autre couche de gâteau en mettant la partie plate sur le dessus. Alors là, j'ai fait glaçage, donc 80 g de sucre glace et un peu de jus de citron. J'ai mis, alors vous mettez d'abord une cuillère à soupe, vous mélangez, si vous trouvez que c'est pas encore assez fluide, vous en rajoutez un tout petit peu. Voilà, on cherche quelque chose, vous voyez, qui est quand même assez fluide. Et là, je vais verser ça du coup sur notre gâteau. Alors, sur le dessus. Une fois qu'on a étalé, on ajoute... des petites pépites de chocolat sur le dessus. Alors moi j'ai pas été trop au bord parce que de toute façon moi les entames, je vais bien tout couper ensuite pour avoir un beau gâteau quoi, en fait, des beaux rectangles. Donc là ça va aller au frigo pendant au moins 2 heures avant de couper, de bien faire les napolitains quoi, en fait. Greg vient de partir au potager, moi là du coup ce que je vais faire, parce qu'il est que 5h30 donc je vais pas commencer à faire à manger tout de suite,
Je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Allez. J'ai mon pain qui a bien doublé de volume, même plus, triplé de volume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dégazer légèrement, le mettre... je vais fariner mon plan de travail, le dégazer et le mettre sur une plaque de cuisson à peu près d'une épaisseur de 2 cm. Et ensuite, enfin, former un cercle, l'aplatir un petit peu comme une galette en fait. Et on va le relaisser lever pendant à peu près 30-45 minutes. Pareil, ça dépendra de votre température de maison. Là vous voyez, moi il est 18h, il a levé 3 quarts d'heure quoi en fait. Donc ça dépend vraiment de la température ambiante. Je vais mettre un petit film, un petit papier sulfurisé sur la plaque et je farine mon plan de travail et je dégaze ma pâte. Alors la pâte colle encore un petit peu, mais c'est léger hein, par rapport à tout à l'heure. Vous voyez là, j'arrive à la travailler avec un peu de farine, on arrive à la travailler assez facilement. Donc là, je vais la verser. Je fais une boule. Voilà. Je vais la mettre sur ma plaque. Est-ce que vous voyez si je me mets là? Voilà. Je mets ma boule sur ma plaque et je l'aplatis sur à peu près 2 cm. Et on laisse relever, je vais mettre un torchon sur le dessus et on va le relaisser lever, redoubler de volume. Alors il n'y a pas besoin de faire préchauffer le four pour ce pain puisque c'est un pain qui se cuit dans un four pas préchauffé. On va mettre la température et enfourner tout de suite le pain. Alors j'ai mon pain qui avait bien doublé de volume, donc je l'ai badigeonné avec un peu de lait. Vous pouvez mettre un œuf aussi si vous voulez, enfin un jaune d'œuf, vous voyez, pour le faire dorer. Là j'ai rajouté aussi un petit peu de graines de nigel, j'en avais. Vous pouvez mettre aussi des graines de sésame si vous voulez, ou rien mettre du tout si vous le souhaitez aussi. Là je vais faire juste un petit quadrillage sur le dessus, hop, et on va l'enfourner. Donc comme je vous ai dit, pas besoin de préchauffer le four, on enfourne, on met 180 et on enfourne jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Il faut compter une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Ça dépendra de vos fours. Ah, j'ai coupé le napolitain. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc là du coup on a deux beaux napolitains. Alors j'ai coupé les entames tout autour du gâteau et ensuite je l'ai coupé en deux. Voilà. Alors les entames, je les ai mis de côté. On va les jeter hein, bien sûr. On va les manger ce soir. Allez, je vais faire la petite photo et puis on va préparer le repas. On y va pour la chachouka aux courgettes. Donc en fait c'est un peu sur la même, enfin la même recette que la chachouka traditionnelle quoi. En fait le seul truc c'est qu'on rajoute des petits dés de courgettes dedans. Donc on a tout coupé, je dis on parce que Greg m'a filé un coup de main, en petits dés, donc avec un alligator. Alors un alligator, si vous vous demandez, c'est comme une mandoline, mais je vais vous montrer. Donc voilà, ça fait des petits dés comme ça. Hop, on a fait pareil avec un poivron. Hop, on a haché aussi un oignon et une gousse d'ail. Et là, je vais mettre, du coup, là, il y a l'huile d'olive. Et je vais mettre l'oignon et l'ail à revenir un petit peu. Ensuite, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin aussi... Il y a un gros morceau d'ail, là. Je vais le remixer un peu. Donc, je vais redonner un petit coup. Hop, donc on met l'ail, un oignon haché, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour le reste des ingrédients, on a besoin de sel, du poivre, une boîte de concassé de tomates, des œufs. Voilà, 8 œufs pour 4 personnes, j'en compte 2 par personne. Et une cuillère à café ou plus, en fonction de vos goûts, de rasélanoute. Donc là, j'ai l'ail, l'oignon, l'huile d'olive, je vais ajouter les poivrons. Je vais vous montrer l'alligator. En fait, ça fait une... Donc ça, c'est la boîte. Et au-dessus, on a une... Alors là, on peut changer, si on veut, les petites lames ici. Et il y a un truc qui vient au-dessus, comme ça. Donc vous mettez là, sur les lames, ce que vous voulez couper. Vous les... Clac !
Voilà, comme ça. Et ça coupe régulièrement, du coup, comme là, les petits dés, ils sont réguliers. Celle-là, je l'avais achetée à Lidl. Ouais. Donc là, je vais rajouter le raisin à la noutre, donc une belle cuillère à café. Et on va faire revenir un petit peu tout ça ensemble. Alors j'ai fait exprès de prendre une poêle assez large, parce qu'ensuite on va mettre les 8 œufs. Donc il faut que les 8 œufs, les 8 œufs, on dit quoi chérie? Œufs ou œufs? Les 8 œufs. Et voilà, on va. Donc il fallait une poêle qui puisse assez large pour pouvoir contenir les 8 œufs. Donc une fois que ça commence à dorer, on ajoute la boîte de concassée de tomates. Je vais juste mettre un petit peu d'eau pour récupérer ce qu'il y a dans le fond. Hop. Et les courgettes. On va saler, poivrer, mélanger et faire cuire ça à peu près 15 minutes, le temps que les courgettes soient tendres. Alors au bout des 15 minutes, quand les courgettes commencent à être cuites, on ajoute les œufs comme ça au-dessus. Alors je fais attention parce que c'est les œufs de chez mes parents, donc la coquille elle est un peu fragile. Sur le dessus. On va passer à table, donc du coup je vais vous montrer hop ce que ça donne, la chachouka et le pain. Donc je l'ai sorti du four, il est tout tendre, tout moelleux. Regardez-moi ça. Ça a mis un peu comme une brioche en fait. Voilà, bon, on va manger et ensuite on va ranger, nettoyer, etc, etc. Donc moi je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Pour remettre les fenêtres. Ah, t'as enlevé les fenêtres en haut. Ah bon. Bon, allez, moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis du coup bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll